Yamina, c'est Dridri, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Pokémon version Soleil. Qu'est-ce que l'on va faire? Oui, vous n'avez pas rêvé, pour ceux qui n'ont pas encore joué à cette version, en cas où vous pouvez avoir deux fois le Pokémon légendaire que vous avez dans votre version. Ça veut dire que vous pouvez avoir bel et bien deux Solgaleo, deux Lunala, dépendant de votre version. Alors, si vous êtes dans la version Pokémon Soleil, il va falloir attendre qu'il fasse nuit dans votre Pokémon, dans votre version. Si vous êtes dans Pokémon Lune, il va falloir attendre qu'il fasse jour dans votre version. Voilà. Tout simplement. Alors là, je dois refaire tout le chemin pour y retourner. Ah non, Hôtel du Soleil. Allez. Donc, on va à l'Hôtel du Soleil. Et vous allez voir qu'il y aura une brèche qui va être activée. Et bien sûr, pour ce que cela s'active, il vous faut deux conditions. Enfin, deux conditions. Dans Pokémon Soleil, il faut qu'il fasse nuit. Dans Pokémon Lune, il faut qu'il fasse jour. Et que vous ayez dans votre équipe le Pokémon légendaire de votre version. Soleil, Solarock, Lune, Lunala. Et ensuite, quand vous allez y aller, une brèche va s'ouvrir au beau milieu du terrain. Là, vous allez la voir, elle va être là. On y va. Et la brèche sera bel et bien ici. Vous cliquez et vous passez là et vous voulez vous y rendre, oui, pour aller dans le monde inversé. Et voilà, on se retrouve dans le monde de Pokémon Lune où il fait jour. Parce que c'est inversé dans les deux cas. Ensuite, maintenant la seconde étape, c'est qu'on va devoir reprendre le Dracaufeu. On prend Dracaufeu. Et cette fois-ci, on se rend à l'endroit où il y avait, où on a affronté, si vous en souvenez, la Team Skull, qui était ici. Et ben, vous vous rendez juste là, au lac du Halo de Colère. Donc moi, j'y suis déjà allé. Donc vous voyez, c'est juste avant la Team Skull, le gros dôme qui est à droite. Et ben, vous allez là. Voilà. Vous avez déjà quasi fait la moitié. À quel point vous allez voir que c'est rapide. Alors, ensuite, donc, on y va, on rentre. Et nous voici dans... bientôt dans le dôme où il y a le... ici à droite, vous avez logiquement une CT à récupérer. Et vous allez voir qu'un petit truc va s'activer. Et vous allez gagner un doudou. Donc, un Cosmog qui se mettra en Cosmoboon et en Solgaleo. Je vous laisse, je vous ferai une ellipse pour les chaque fois que je vais monter niveau pour le Pokémon et vous verrez l'évolution jusqu'à temps de la forme finale pour vous montrer que c'est bien ça. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on se rend à l'endroit en ayant en possession notre Pokémon légendaire. Et vous allez voir Lunala. Solgaleo rugit soudainement vers le ciel. Et qui c'est qui est là? Un autre Cosmog. Et bien sûr, quand on va le récupérer, c'est pas un Cosmog qui se mettra en Lunala. C'est un Cosmog qui va vous mettre en Solgaleo si vous avez Soleil ou en deuxième Lunala si vous avez Pokémon Lune. Voulez-vous amener Cosmog avec vous? Bien sûr, on met oui. Et on l'a. Et voici. Nous avons Cosmog. Et voici, on obtient Cosmog. Son corps est composé d'un gaz très volatile. Il croît lentement en accumulant les poussières atmosphériques au gré de ses déplacements. Et voilà, il a rejoint notre équipe. Et ensuite, je ne crois pas qu'on peut voler. Ah si, on peut déjà directement voler. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez retourner aux plaines de Pony, Hôtel de la Lune. Et vous allez remprunter la brèche. Qui vous permettra à de nouveau être dans l'Hôtel du Soleil. Voilà.
On est dans une sorte, comme c'est marqué, dans une sorte de monde... De monde inversé. Donc là on utilise bien sûr la monture pour aller un peu plus rapide, un peu plus rapidos. Et on retourne dans notre monde d'origine. Et nous voici à l'hôtel du soleil, dans la version d'origine où on est. Donc ça c'est sympa d'utiliser des brèches pour aller dans la vraie monde, donc dans le monde de l'autre cartouche, de l'autre version. Et puis nous voilà. Et on se retrouvera juste de suite pour les évolutions de Cosmovoon et de ben, voilà, les évolutions de Doudou. A tout de suite. Et voici l'évolution de Cosmog qui va devenir Cosmovoon et qu'il évolue à partir du niveau 43. Voilà, voilà. C'est assez rapide, hein, franchement, dans les plaines de Pony, juste avant le dôme de, juste avant l'arbre de combat, vous avez des herbes à droite et ça permet d'XP assez rapidement et assez facilement. Et nous avons un Cosmovoon, voilà, et qui sera aussi dans le Pokédex. Et voilà, on a rempli en même temps la page. On pourrait le croire mort car il ne bouge pas du tout. Au toucher, il reste tiède. On le surnomme le cocon céleste depuis l'antiquité. Et c'est actuellement le Pokémon le plus lourd du monde. Comment Lily peut mettre ça dans son putain de sac? 999,9 kilos. Non mais my gosh. Non, allez, on se retrouve pour l'évolution pour ce Galéo. Et comme je vous avais dit, au niveau 53, il passe de 43 à 53 de Cosmovoon en Solgaleo. Et voili voilou, un deuxième magnifique Solgaleo. Et voili voilou les amis. Et on l'a déjà dans le Pokédex. Et ben voilà les amis, je vous ai dit comment obtenir votre deuxième légendaire, le même que de votre version d'origine. J'espère en tout cas que cette petite soluce vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao ciao Mina.